find something to drink. Bonjour et bienvenue, et on a besoin de trouver quelque chose à boire. Et de l'eau semble pas mal, parce qu'on n'a pas d'alcool, en fait, ici, donc on peut pas se bourrer la gueule. Donc du coup, de l'eau. C'est pas de l'eau de vie. Ça aurait pu être de l'eau de vie aussi, ça aurait été sympa. Mais non. On est de retour. Et on va passer un bon moment. Bienvenue. Nouvel épisode de la survie du week-end. Dans la vallée de la mort. Donc, voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, honnêtement. On va... Alors, je voudrais essayer d'être parti, en fait, de cet endroit. D'ici la fin de cet épisode. Alors, on va laisser... J'ai décidé qu'on allait laisser des choses... parce que en fait ce qui va se passer c'est que on va mettre les choses là ici elle me stresse ces nouvelles musiques honnêtement depuis qu'ils ont fait la mise à jour c'est pas la première fois que j'en parle elles ont l'air d'arriver à des moments qui ont pas vraiment grand chose à voir avec ce qui se passe par rapport à ce qu'on fait maintenant. Genre, si on se balade dans la nature et tout ça, qu'on a un côté de solitude, il y a beaucoup de vent et tout, genre on a froid et tout, des fois on a des musiques d'ambiance qui se déclenchent et tout ça. Là on a des musiques, genre quand on est à l'intérieur, bizarre, c'est juste quelques notes et après c'est fini. Je sais pas, c'est un peu étrange, je trouve. Depuis le DLC en fait, j'ai remarqué que c'était un peu chelou, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, donc j'étais en train de dire. Donc oui, on va laisser des choses. Pourquoi? Parce que... Ah voilà, je me disais aussi. Parce que ici, c'est... Oui, je suis toujours pas sans le souris, enfin bref. Ici, c'est une zone qui est en fait en plein milieu. Hein, quand on regarde la map, la vallée charmante, elle est en plein milieu. Donc c'est assez facile d'accès, on est d'accord. Après, je vais être honnête, même si des saisons faisaient 150 épisodes, je suis jamais repassé deux fois dans la même zone. Je suis jamais resté en fait deux fois dans une même zone. Une fois que je l'ai faite et que j'ai fait tous les lieux intéressants, je me suis cassé. Je suis passé à la suivante et tout ça. Et on n'est jamais revenu honnêtement. Là, ça risque de changer parce que oui, on va avoir les mises à jour et tout ça, les rajouts d'objets et tout. Mais la vallée charmante reste encore une zone en plein milieu, donc on va pouvoir y passer plusieurs fois. Donc on va laisser les objets ici. Par contre, le canyon des cendres, c'est à l'extrémité. Hein, on voit bien la souris, oui. C'est à l'extrémité, donc il y a très peu de chances qu'on y aille une deuxième fois. À moins que ils fassent une mise à jour et qu'ils rajoutent des choses au canyon des cendres. Mais ça m'étonnerait. Mais du coup, on récupérera tout ce qu'il y a là-bas et on le ramène tout au centre de la map. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est pour ça qu'on va du coup laisser des choses ici. Ça aussi, on a rien à faire. Je vais même peut-être laisser des... J'ai envie de laisser des torches aussi, parce que on en a un peu trop des torches en fait. Genre ouais, comme ça. Très bien, ça là. On va prendre de la nourriture, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on adore? Je crois qu'il nous reste quelques morceaux de viande, mais pas trop. Ça aussi on s'en fout. On va pas prendre les... On a une fusée, c'est bien. On va pas prendre... Je vais y arriver. Les fétous, parce que ça va plus nous encombrer qu'autre chose, qu'on doit prendre une corde. Donc on va pas faire ça. Alors, le sirop d'érable, on va tout prendre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas le manger de là, mais on peut le manger d'ici. Donc, let's go. Ah, très bien, il reste quasiment rien. Nickel. J'avais dit qu'on pouvait... On pouvait faire à cuire et tout ça. Non, on va pas le faire. Par contre, on va prendre ça parce que ça pèse pas lourd. Ça, on peut le mettre là.
Y a pas de problème. Ok, on se casse. Ouais, ça on va le manger, y a pas de problème. On est à 38,50. Est-ce qu'on a de l'eau sur nous? On va prendre encore 1 litre. Ok, let's go. On s'était où qu'on avait laissé la viande? C'était là, hein, je crois. Parce que j'avais pas vu qu'il y avait une porte juste à côté pendant la nuit. Donc du coup, je crois qu'on est passé par là. Voilà. Et bah du coup, j'aurais pas dû boire ça. C'était très con de ma part. Oui, c'est, j'avoue. Alors par contre, on a... Non, par contre, on a un super brouillard. Et c'est pas fun. Bon, attendez. On va attendre un peu parce que je veux pas me perdre non plus. C'est vrai que ça charge vite maintenant, je trouve. On va passer un peu de temps, vite fait. On va récupérer du tissu. Même à la limite, on va le déposer dans un tiroir, le tissu qu'on a en surplus. Enfin, après, je dis ça, mais je pense pas qu'on va le déposer dans le tiroir parce qu'il n'y a pas de tiroir. On va dire que le... La cuisine, ça va être l'endroit où on dépose tout. Je vais juste faire un petit tour en haut, voir si on n'a pas loupé des choses. Mais ouais, je veux juste passer un petit moment. On récupère du tissu, tranquille. Ouais, là, ça fait au moins une heure qu'on vient de passer. C'est 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ça va vite en fait. Cassos, oui. Ok, on est bon. Et nous sommes repartis. On va déposer le tissu qu'on a en trop. Non, pas là. Okay, où est-ce qu'on le met? On peut le mettre là, le tissu, mais après, ça c'est des endroits que je vais oublier. Donc on va le poser tout simplement par terre. Alors, déposer une vingtaine de tissus par terre. J'ai envie de dire, j'ai même envie de déposer le cuir parce qu'en théorie on n'en a pas vraiment besoin. Ça c'est toujours à 100%. Il n'y a rien qui nécessite du cuir, si je dis pas de bêtises. Tissu, fourrure en peau d'ours. Non, il n'y a rien qui nécessite... Non, il n'y a rien du tout. On n'a rien. Je pense que la sacoche, oui. Hein. La sacoche, oui, mais bon, elle se détériore pas. Donc, ouais, je crois qu'il n'y a que la sacoche. Donc, à la limite, le cuir, on va le laisser aussi. C'est pas vraiment important. Alors, on va finir ça. Voilà, comme ça, c'est plus dans l'inventaire. Là, on a 300, 350, 300, très bien, parce que ça pèse pas lourd du tout. Donc, on le garde. Les massettes, on peut les déposer aussi. J'ai envie de dire, on peut en déposer 6. Hop. Des fois, des petits lags. Enfin, c'est pas vraiment... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. On est à 333, c'est très bien. Ok, on peut partir avec de la chance. Il y a des trucs là, non. Avec de la chance, le brouillard s'est levé. Et ouais. Ah. Alors ça. Très bien, on va reposer, très bien. Ça c'est des 1000, très bien. Et on est lourd ou pas? Non, 39,83, bravo à moi. Bravo à moi. J'ai bien calculé mon coût. Alors attendez, parce que nous on vient de là-bas, on est arrivé là, donc c'est là-bas. Alors, dans cet épisode, on va peut-être pas finir... la vallée. Alors, l'idéal, ça serait de se retrouver directement au mont, honnêtement. Comme ça, on enchaîne. Mais je crois pas qu'on va y arriver. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Donc, je voudrais faire la zone là-bas. Donc, c'est une grange. C'est une vieille grange. Et après, je voudrais faire quand même le village. Parce que le village est grand. Il y a plein de maisons. Donc, ça vaut le coup de...
ça vaut vraiment le coup d'aller le voir quand même. Alors après, il y a d'autres petits endroits ici, mais honnêtement, c'est loin. Il y a quoi d'intéressant? Je sais qu'il y a le site de... Ah, le site du crash, peut-être qu'on peut le faire. Je vais être franc, peut-être qu'on peut faire le site du crash, à la limite. Et on le fera en fait pendant... dans le chemin qu'on prend pour aller à la, au mont. Là en bas on a des loups. Est-ce qu'ils peuvent attaquer ça et après on tue le loup, comme ça on peut récupérer la viande. Mais bon. On verra. Ok, très bien. Très très bien. Il fait froid ici, hein. Ça c'est vraiment un problème hein, cet endroit. Vraiment un problème. Là je pourrais l'envoyer sur des loups. Ouais non, il faudrait la faire bifurquer, j'ai pas envie. Après je vais être honnête, qu'il fasse froid, c'est une chose. Et il pouvait ne pas faire de brouillard et de tempête, de tornade et machin et patin couffin. Ça irait. Mais c'est très rare que ça soit comme ça. Vous voyez que déjà, ça, c'est en train de se couvrir. Le fond devient de plus en plus blanc. Donc ouais, on va sûrement avoir un blizzard bientôt. Je serais pas surpris en fait. Donc on va faire ça. Là, les petits bâtiments aussi. Il y aurait là-bas aussi la maison abîmée. Et après, la meilleure des choses, je crois qu'il y a un pont. Je ne sais pas si on... Il y a des lapins là-bas. Ouais. Je ne sais pas si on peut le voir. Je sais qu'il y a un pont. Ou on passe par le pont, ou alors on va sur la route et on suit la route. En fait, c'est le plus facile pour trouver le village. Comme ça, vous ne vous trompez pas. C'est impossible de se tromper. Parce que la route va au village, en fait. Simplement. Donc, voilà. Mais nous, on va couper parce qu'il y a un petit pont et un petit chemin sinueux. On va voir. Donc, il n'y a rien. On est en train de perdre de la vie. Ça, ça sert à rien. Il n'y a rien d'autre. Ah, ça gueule, hein. Je crois que c'est par là-bas, pour le village. Alors, on va faire les tracteurs, vite fait. Là-bas, maison, grange. Là, on peut trouver des flèches. Mais bon, nous, on est en intrus, on va pas en trouver. Je vais quand même vérifier au cas où, on sait jamais. Mais ça m'étonnerait. Ouais, non, il y a rien du tout. Mais des fois, on peut trouver des flèches plantées, c'est assez sympa. Allez, on va rentrer parce que je commence à avoir très froid là. Ok, très bien. J'ai vu dans la prochaine mise à jour, on va avoir des flèches. Durci au feu. Donc ça c'est intéressant. J'attends ça avec impatience parce que c'est vrai que... En fait ce qui est intéressant avec l'arc, c'est que quand vous êtes au niveau 4, c'est moins 50% d'utilisation, donc du coup ça devient au lieu de 2%, c'est 1% que vous utilisez par tir, c'est bien. Mais les flèches elles se cassent quand même relativement vite. Donc, si on pouvait les durcir au feu, on fait un feu, après je sais pas comment ça va marcher, hein, peut-être faire un feu et les laisser chauffer, j'en sais rien.
Si ça, ça peut... Ouh. Si ça, ça peut augmenter la résistance de chaque flèche, de genre la doubler. Au lieu de faire, je crois que c'est quoi, 4, 5 tirs, je dirais, après elle casse. Si on peut augmenter ça ou doubler ça, ça serait vraiment très 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 intéressant. Ça, parce que c'est vrai que faire des flèches, c'est un peu relou. C'est un peu embêtant de faire des flèches. Ah! Ah oui, non, mais c'est un backer. Pas vraiment intéressant. Faut regarder derrière les mottes de foin. Les bottes de foin. Les rouleaux. Oh, marteau. On a un marteau. C'est bien vide pour le moment. C'est marrant, on dirait qu'il y a une lumière à l'intérieur. Rien du tout. Ok, on est de retour. J'ai dû faire une toute petite pause, désolé. On a été où? On doit visiter le haut. C'est parti. Regardons là. On pourrait... Ah, on pourrait déjà enlever un peu de, du poids là. Mettre ça là-dessus. On a ça, on va pas le prendre. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Pas grand-chose. J'avais que ça. Hein. Ah oui, ben oui, on n'a pas de, de bois. On a viré tout le bois. Ok, c'est bon. C'est juste pour me vider l'inventaire. En fait. Ah! Nickel. Dire que ça n'existait pas dans les dernières saisons. Tout ce qui est chips au ketchup et le sirop d'érable là. C'est vrai que ça aide tellement de trouver ça. Ça aide énormément. Livre. Là aussi, on a un établi. Il est un peu mal placé, mais... Oh! Je vois une belle chose. Très bien. Oh! What? Attends. J'ai vu ça. C'est très important. On n'en avait pas sur nous? Si, quand même. Oui, oui, j'en avais un. On a une pistolet de détresse. Intéressant. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de, de truc. De fusée. Un pistolet de détresse ici. Ça, c'est nouveau, par contre. Jamais vu de pistolet de détresse ici. Il n'y avait pas de boîte comme ça. Sinon, oui, non, il n'y a rien d'autre. Chou... Oh, je serais prêt à dire que ces caisses-là renferment des objets, mais bon, je sais pas. Faudrait les casser, mais bon. Mais bon, mais bon. Alors. Ça. Très bien. Bien, très bien. Il faudrait qu'on l'écrive, qu'on a mis des... On a laissé une pierre ici. C'est vraiment des objets en fait super importants pour nous. Enfin bref, pas grave. Ok, très bien. J'ai envie de... Le stimulant d'urgence, j'ai envie de le laisser aussi. Ça, on le jette. Ouais, le stimulant d'urgence, j'ai envie de le laisser aussi là. Est-ce qu'il vole? Par contre, ça va me gêner.
Pourquoi il vole? Pourquoi? Oui, non, je... Désolé, mais ça, ça va m'embêter, par contre. Ah, bah ça aussi. Ah, c'est mieux, je crois. Voilà, c'est bon. Ok. On va mettre ça comme ça. Voilà. Chut. Voilà, nickel. Donc, on va laisser ça là. On va reprendre de la nourriture. On est... il est midi. Enfin, un peu plus. Ça, on n'a pas besoin. C'est ça que j'avais oublié de jeter. Je crois qu'on en a une depuis la maison. Très bien. On est à 40, 46. On va prendre ça. 40, 36, pardon. Nickel. On va pouvoir commencer à bouffer des choses. Est-ce qu'on peut se baisser encore le poids ou pas? Ouais. On va en garder un parce que je veux dessiner quand on va sortir. Je crois pas qu'on puisse se baisser le poids encore. À moins de balancer une torche. Voilà. Allez, cassos. Cassos, cassos. Maintenant, on va aller au village. On va aller au village. On va peut-être passer un petit moment dessus, par contre. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bâtiments. Je voudrais dessiner ça. Très bien. Il y a quand même beaucoup de bâtiments à fouiller. Donc ça va prendre un moment. On est allé là-bas ou pas? Je me rappelle plus. Oui, je crois qu'on a fait tac, 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 tac. Ouais, il n'y a que ça qu'on n'a pas vérifié, mais il n'y a pas grand-chose. On dirait que le vent est en train de se lever. Il y a une boîte. On dirait que le vent est en train de se lever. On va devoir se bouger un peu. Ouais. Ouais. Ben voilà le pont. Voilà. On a des massettes tout le long aussi. Ah, vous imaginez si on pouvait planter des massettes? J'en sais rien en fait, si c'est possible. Je suis en train de me dire. Genre pouvoir faire un carré de potager. Et pouvoir mettre des massettes. Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionnerait. Ça serait une idée quand même. Ça serait une idée. Je sais pas si on a un ours là. Je sais plus. Je crois pas. Je crois qu'il y en a un vers ce côté-là quand on va vers le mont. Ça, je m'en rappelle. Je m'en rappelle que j'en avais combattu un. Il y a longtemps. Mais là, je crois pas. Après, ils ont peut-être changé aussi un peu. Ça, c'est... Genre le pistolet de détresse, il a jamais été là. Hein. On n'a jamais eu là. Le pistolet de détresse, pour moi, il y en avait un au fond d'un ravin, je sais plus où. Et après, au sommet du mont Timberwolf. Mais là, il n'y en avait jamais eu. Hein. C'est quoi ça? C'est un toit, ça? Je crois que c'est là-bas. Ouais, je crois qu'on y est. Voilà, on va passer par là. Ça va, il fait pas trop froid. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. C'est super tranquille. Ouais, non, c'est là, c'est bon. C'est super tranquille. J'avoue que pour le moment,
ça se passe bien. On a des loups au loin. Là, ça a l'air d'être tranquille. Alors, on va faire ça dans l'ordre parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Par contre, je veux bien récupérer un peu de bois. Si jamais on est bloqué là. Donc, en premier, on va faire ça. Je sais pas ce que c'est. C'est un... station essence? Ou un garage, je crois. Gaz. Station essence. Ah, très bien. Exactement rien. Cool. Plus. Je sais pas s'il y a une grotte. Je crois qu'il y a une grotte, mais elle est plus loin. Je pense pas que ça vaille le coup de se déplacer là-bas. Alors, on va regarder la voiture ici, et après on va rentrer. Pour le moment, rien de très fameux. Pour le moment, rien de très fameux. C'est trop bête pour ouvrir le truc en grand. Couture facile. Ça, c'est intéressant, par contre. Couture facile. Là, il n'y a rien d'accroché. Yes! Ouais, honnête. Je vais être honnête. J'ai l'impression qu'on trouve un peu trop d'objets. Enfin, c'est même pas des objets, en fait. Alors, oui, c'est genre la Vallée Charmante, c'est quand même connu pour avoir pas mal d'objets. Même en intrus. Donc c'est normal qu'on trouve des conserves et tout ça, je suis d'accord. Mais par contre, pour les objets rares, genre les kits de couture, les pierres à aiguiser et tout ça, c'est quand même gros, en fait. C'est quand même vachement gros. Donc là. Là, par contre, on a trouvé des... Non, pas ça. Pas ça. Yes, des allumettes. Je crois qu'on a trouvé... On a trouvé des chaussures de combat, je crois. Je vais voir. C'est par là. Des bottes de combat. Malheureusement, ces bottes ont été conçues pour le champ de bataille et non pour l'hiver. En cuir robuste, elles soutiennent bien la cheville et peuvent résister aux morsures. 10 de protection. Nous, on a 7. Le bruit du pont. Les loups doivent être de ce côté-là, je crois. On va faire quand même attention qu'il n'y en ait pas dans le village. Alors ici, en grosso modo, ça va toujours être notre camp, parce qu'en fait c'est méga grand. Voilà, c'est méga grand et il y a tout ce qu'il faut. Y a tout simplement tout ce qu'il faut. Donc c'est souvent notre endroit. Là, on a le livre de couture, honnêtement, ça c'est vachement intéressant. Ça donne un peu envie. Ah oui, je vais reposer par contre les viandes. Je les ai prises sur moi les viandes quand je les ai posées? Oui. Okay, on les laisse dehors.
Ah oui, mais on a deux livres. Parce que moi, j'avais vu celui-là, mais il y a celui-là aussi. 14, 12. Même laisser des allumettes si on veut. Ça, parce que c'est lourd. Les bottes. Qu'est-ce qu'on a d'autre extra? Ça. C'est vraiment pas mal cet endroit. Après, il y a beaucoup de loup en fait. Donc oui, sans la cuisine niveau 5, bon courage hein, pour survivre. Parce qu'il va falloir un peu papahuter partout. Pour vraiment aller chasser des cerfs et tout ça. Donc ça, c'est un peu le problème. Puis se balader ici, en fait, c'est un peu le problème. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de tempêtes et tout ça, donc c'est vraiment mal placé. Mais bon, après, ça va. C'est grand. Je sais pas s'il y a un établi ici. Peut-être pas, hein, par contre, dans le village. Je pense qu'il faut aller à une de... Ou la grange, ou la maison qu'on a vu au début. Enfin, dans l'épisode précédent. Ah, j'ai arrêté d'appuyer. Ok, ça va faire bientôt nuit. On va devoir se bouger les fesses parce qu'il y a quand même beaucoup à chercher. On a un lit ici. Je vais juste d'abord faire le tour de la salle. Le livre m'intéresse parce que la couture, en fait, c'est très très chiant à augmenter. C'est un peu le... C'est quoi ça? C'est l'échelle. Là, on peut pas aller là-haut. Oui, la couture, c'est embêtant à augmenter. Parce qu'à chaque fois, on va perdre... genre, on va abîmer notre kit de couture. On va abîmer... Ouh, cool. On va perdre notre tissu. Tout simplement perdre genre une heure. Si par exemple... pour rafistoler quelque chose, c'est 1h30 ou 1h40, des trucs comme ça. Donc c'est extrêmement chiant à monter, parce que si vous vous loupez, bah, c'est quand même un gros malus de se louper pour la couture. Ça coûte beaucoup de temps et de matériaux. Donc j'avoue qu'un livre, bah, c'est le bienvenu. Et je vais être honnête, je crois que dans aucune de mes saisons, même la saison 5, qui a duré extrêmement longtemps, en plus de la saison d'avant, du coup, parce qu'il y a eu la deuxième partie à la saison 7, je crois. Même avec autant d'épisodes, je n'ai jamais monté la couture jusqu'au niveau 5. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Tellement que c'est long. J'ai toujours fait donc la cuisine, carcasse, flèche. Ce sont les trois que je monte tout le temps à 5 parce que c'est les choses qu'on fait le plus. Ok. Très bien. C'est vraiment les choses qu'on fait le plus. Ça c'est bien le coup du steak là. Ça c'est cool. Tiens, on va poser ça, ça coupe pas lourd. On va poser ça aussi. Nickel. On va poser la viande qu'on a trouvée. J'aurais dû penser à poser
le sac de couchage en avance parce que c'est vrai que c'est bien bien lourd. Là-bas aussi, de l'autre côté, il y a des maisons à fouiller. Là, il y a une petite cabane, on va y aller. Ah, il fait... on n'a même pas froid. Ça, c'est rare, ça. Pied de biche, très bien. On va là-bas ou pas? J'ai pas vraiment envie d'aller combattre des loups. J'ai juste envie de finir les bâtiments parce qu'on est va bientôt faire nuit. Donc on va avoir des problèmes pour voir. Alors, c'est ce petit marché. La plupart du temps, il n'y a strictement rien. M'étonnerait qu'on trouve des choses. Produce, produce, produce. Il n'y a rien. On va faire les voitures et le cadavre. On avait vu qu'il y avait un cadavre ici. Il est là. Passe ou pas. D'accord, bon, on va passer par là alors. Il n'y a pas de plume, rien. Ah, peut-être du bois là-dedans. Ouh, si. Oh, un feu d'étain, très bien. Et pas grand-chose. Pas grand chose pour le moment. Pas de chasse au trésor, rien. Un peu bête. Attendez, on a fait ça. On est allé là ou pas? Non, je crois que je suis pas allé. Attendez, on fait un retour en arrière. Ah oui, vu qu'on a pas froid. Ouais, très bien. Oh la vache. Ok, on va faire d'abord ce bâtiment. C'est ça qui est ça le problème, hein, c'est que c'est grand, il y a plein de choses à voir, à trouver, à vérifier, donc évite de passer à côté de choses. Alors, le pire pour moi c'était 1000 tonnes. Oh. 389 calories, c'est pas énorme. C'était 1000 tonnes, j'avais toujours des maisons que je loupais. Et des fois, au bout de genre, plusieurs jours, je passe à côté d'une maison. Je me dis, ah, c'est vrai que je suis peut-être pas allé là-dedans. Je regarde, je vais à l'intérieur, il y avait tout plein de trucs que j'avais pas... Enfin, j'y étais jamais allé, quoi. C'est pour ça que j'essaye maintenant de faire minutieusement les choses, parce que... Passer à côté d'une maison, ça fait quand même beaucoup de potentiels objets que vous loupez. Ok, très bien. Ça, ça, là il n'y a rien. Pas de vêtements. Je voudrais bien avoir des vêtements thermiques là. Ce serait vraiment bien. Ça serait cool. C'est un peu la chose qui nous manque. Et la chose qui serait extrêmement utile pour nous en fait. Pour notre difficulté et tout ça. C'est vraiment cool. Là, on a plus ou moins les derniers vêtements qu'on peut récupérer dans le jeu. Enfin, qu'on peut crafter, du moins. Ok, très bien, regardons sous le lit. Qu'il n'y ait pas un fusil qui traîne, c'est jamais, hein, bien sûr. C'était quoi, là? C'était des livres banals, ouais. Comme ça. Ah oui, et c'est aussi, on est dans une maison. Enfin, on est dans un village, pardon.
Donc du coup, bah, beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau à récupérer. Beaucoup de tissus à récupérer. Donc oui, ça, ça aide. Hein, ça aide beaucoup. Parce que tant que vous avez de l'eau, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de feu. Donc c'est vraiment une bonne chose aussi. C'est sympa. Ça on a fait, ça on a fait, maintenant cette maison là. Avantage, pied sûr, merci. Au cas où je l'avais pas vu. Rien du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'on trouve plus d'objets genre posés au sol. Peu importe, hein, juste posé en fait. Que dans des containers. J'ai remarqué. Non? Après, peu importe, hein, c'est juste une remarque. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Alors, camion. Ouais, très bien. Oh. J'ai pas vu où il était. Je crois qu'il est vers l'église. Je crois qu'il est vers l'église. Attendez. Ouais, il est là. Ok. Ça marche. Eh, vas-y, viens, ramène ta fraise. Je savais bien qu'il y avait des loups. Après. C'est vrai qu'on pue le poisson maintenant. Donc il est potentiellement venu d'un peu plus loin. Il est peut-être venu d'un peu loin. On va continuer de chercher les derniers bâtiments qu'on a. Et peut-être qu'on va essayer de le dépecer, récupérer la viande. Comme ça, avant qu'on parte d'ici, on fait peut-être cuire la viande et on se rassasie avec la viande. Des trucs là. Oh. Ok, bon à savoir. Cerf qui se balade ici. Reste cool la musique d'ambiance, reste cool. Pas besoin de d'être stressante. On pourrait se le faire. Ouais, il y a encore des bâtiments là. Là, on a une carcasse de cerf. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là aussi, on a encore une maison. Ok, on va d'abord finir les baraques. Et sinon, on va plus rien y voir. Déjà, là, j'ai peur que ça fasse sombre. Ouais, ça va. Mais et après peut-être qu'on va chasser un cerf, pourquoi pas. Livre. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je faillis ne pas l'avoir, hein, je vais le mettre. Livre. Thank you.
Il n'y a rien. Non. Pile de papier. Non, il n'y a rien. Regarde en dessous, juste au cas où, mais non. Ouais. Bon, bah non. Rien de spécial. Rien de spécial. Rien sur les bancs. 39 minutes pour 4 de bois, c'est pas mal. Ryan Thompson. Non. Alors, lapin. Il y a écrit quoi? Foreclosed bank on property. Okay. La banque a récupéré la propriété. Je suis un peu rouillé, donc je sais pas si je vais y arriver. Ouais, un peu trop rouillé. Mais putain, je suis nul, sérieux. J'y arrive plus, hein, j'arrive plus du tout à viser les lapins. Dire qu'avant je faisais ça les yeux bandés. Tout le temps à 3 cm du lapin. Hein. Tout le temps. On va arrêter parce que sinon je vais abîmer les... J'en ai pas vraiment besoin en fait. C'est juste que bah, ça fait de l'expérience facile. Mais je vais les casser les flèches en fait. Ah, ça m'embête d'être aussi... Enfin, en fait, faut que je monte le l'arc. Je le monte pas assez. Oh bah, je voulais dépecer et peut-être chasser le cerf, mais au final... c'est pas la bonne solution. Ouais, je voulais aller chasser maintenant, mais oh, merde. Après, il fait pas extrêmement froid. Je vais pas regarder ces bancs aussi. Avec la structure. Ok. On est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, je vois strictement rien, donc ça c'est... Juste poser les choses au sol là. On fera le tri plus tard. Ah oui, mais attends, du coup j'avais mis des... Ah, j'avais mis de la nourriture par terre. Merde, je vois pas. Elle est où notre lampe? Okay. Est-ce que j'ai quoi sur moi là? Parce que je voudrais à la limite utiliser les choses qui sont lourdes en fait.
prendre des tissus. Nickel. Ah oui. Avant de faire ça. Boum. Ça c'est un truc qui me tuera toujours. Le fait que ils aient pas corrigé ça. Pied de biche, on va virer celui-là. La scie, on va virer celle-là. Très bien. Ah, celle-là qu'il faut manger parce que c'est 0,50 pour encore moins de... Parce que là c'est 600 calories donc ça va, c'est beaucoup. De toute façon on va devoir toutes les manger honnêtement. On va pas s'arrêter maintenant parce que je voudrais ou chasser ou alors visiter les derniers bâtiments qui restent. Donc on va peut-être dormir. Enfin, ou alors on les fait la prochaine fois. Parce que du coup je vais devoir genre rentrer dans un bâtiment pour mettre fin à l'épisode pour que ça sauvegarde. Donc à la limite je préfère dormir. Comme ça on finit notre... finit notre épisode sur... une nuit, vous voyez ce que je veux dire, comme on fait d'habitude, hein, c'est peut-être mieux... Ouais, peut-être la prochaine fois on visitera. La prochaine fois, si j'y pense, on visitera les derniers bâtiments qui manquent. Non, on est là. Les bâtiments qui sont ici. Là, on a une carcasse ici. On a encore un loup. On pourrait rester encore un tout petit peu dans le périmètre pour faire cuire en fait des du loup. À la limite. Parce que ça, là. 300, 300, 300, 250, 350. Là aussi, c'est pas mal. 600. Bon, ça donne soif, mais c'est 600. C'est énorme. Ouais, le mieux, ça serait... Honnêtement, le mieux, ça serait la prochaine fois, c'est de faire cuire. Parce que là, on a quoi? On a genre 3, 6... 9 pour 0,30. On a 1000 en gros. Donc là, ça ferait 0,50. On est déjà à plus de 1000 de calories. On est à 2000 de calories pour moins d'un kilo. En gros. On a grosso modo dans les 2000 de calories pour moins d'un kilo. Donc ça, j'ai envie de le garder sur moi en fait. Parce que ça pèse pas lourd et ça nous donne des calories pendant longtemps. Et puis, puis on est tranquille. Donc autant manger toute la viande qu'on peut avoir. Et vu qu'on a tué un loup, autant tout cuire et tout bouffer en fait. Ça nous aidera. Donc ouais, on fera comme ça. Parce que la plupart du temps, je fais toujours l'inverse. Je mange genre la nourriture comme ça, juste pour le fait, parce que c'est de la nourriture qui va périr, ou alors c'est pas des trucs qu'on trouve normalement. En fait, c'est pas des ressources qui se renouvellent. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je les mange en premier, puis après je reste avec la viande. Parce que la viande, bah, on chasse et tout ça. Mais là, on va faire l'inverse, parce qu'honnêtement, le mieux c'est de faire l'inverse, hein, c'est de garder, donc comme je dis, les nourritures comme ça, parce que nous, on s'en fout qu'elles soient à zéro. On peut quand même les manger. Faut juste pas les mettre dans des containers. C'est juste ça. Mais ouais, c'est beaucoup plus, léger pour nous. Surtout qu'on doit prendre des cordes bientôt. Donc je veux bien avoir un surplus de nourriture en nourriture trouvée comme ça. Voilà. On va s'arrêter là. On va dormir. Dizaines d'heures encore une fois. Et on va essayer de chasser un peu. Voir. Faire cuire comme j'ai dit. Ça on va le faire. Récupérer un peu. Enfin chercher un peu les autres bâtiments qui restent. Je pense que l'épisode prochain devrait arriver au mont Timberwolf si on n'a pas de tempête, si on n'a pas de problème de tempête. Si on a un problème de tempête, bah, du coup on va devoir se réfugier sûrement dans des autres bâtiments. Je sais où on peut y aller, ça serait près du mont. Il y a une cache en fait près du mont, il y a un bunker où on peut se mettre là.
Mais on verra, on verra. Mais j'espère que oui, on essaye de finir cet endroit, après on avance vers le mont Timberwolf et tout ça, et peut-être qu'on arrêtera donc au mont Timberwolf la prochaine fois, j'espère. On verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.